Alors, je suis en direction des étangs de Bassiès par le port de Salex. Et a priori, par rapport aux personnes que je viens de croiser, il faut que je m'attende à vraiment me prendre de la flotte. Parce que autant là, on est un petit peu plus dans la brume, le brouillard. Alors oui, ça humidifie, ça pénètre pas encore et c'est pas la fin du monde. Par contre, a priori, au niveau du port de Salex, c'est vraiment de la flotte, de la flotte. Les gens se sont tous regroupés pour essayer de s'abriter derrière quelque chose, a priori, parce que ça tombe bien et la température chute aussi. Mais logiquement, j'y suis dans à peu près une bonne heure, le temps d'un petit peu anticiper, de mettre quelque chose d'un petit peu plus étanche, parce que pour moi, le but, c'est de passer par le port et ensuite les crêtes pour redescendre au niveau des étangs de Bassiès et surtout atteindre le refuge dans lequel je dois dormir ce soir. Donc le décor, il est posé. Maintenant, on reprend du départ et je vous montre un petit peu cette petite randonnée fort sympathique. Et j'espère qu'il va nous permettre d'avoir de très belles images au final.
Alors mon objectif est un petit peu sale, voilà, j'espère que les quelques photos que j'ai faites ce matin vont pas être impactées à cause de ça. Alors grosso modo je me suis levé à 5h du matin, mais je suis resté sous le porche voilà, du refuge où j'étais pendant une bonne petite heure, parce que tout simplement on était dans le brouillard le plus total, et vers 6h ça a commencé à légèrement se lever, et en fait vous pouvez le voir autour de moi, là, la couche nuageuse en fait qui était très basse, qui était vraiment au niveau du sol, c'est un petit peu levé, donc on est sous une chape de nuages. Moi j'ai commencé à faire quelques petits repérages, quelques photos. J'ai pas forcément filmé parce que donc la luminosité était très très faible, et puis surtout j'avais un petit peu froid, voilà, du fait de l'humidité, parce que en gros mes chaussures ont pas séché pendant la nuit, ce qui fait que déjà au réveil de remettre des baskets qui étaient complètement humides, complètement trempées, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et là clairement de toute façon j'ai tout le bas qui est complètement trempé, parce que avec la rosée, le fait d'aller un petit peu marcher dans les herbes, dans la pampa, et en fait ça accroche vraiment tout ce qui est goutte d'eau lorsqu'on a une grosse rosée. Et en fait, par capillarité, ça remonte et ça humidifie. J'ai quand même réussi à faire quelques beaux petits clichés, j'espère, ce matin. Je vais certainement les déjeuner tout simplement, parce que là, c'est l'avantage de dormir en refuge, c'est qu'on a le repas du soir, le dodo au chaud et le petit-déj du matin. Et grosso modo, ensuite, je vais aller faire du repérage un petit peu par là-bas, au niveau des lacs. Je vais déjà vous montrer les quelques photos que j'ai pu faire ce matin. Et ensuite, je vais aller, hop, je vous montre... derrière moi, parce que en fait en haut de la crête logiquement on a un point de vue qui est juste merveilleux, qui donne vraiment une très belle perspective sur tous les lacs de Bassiès, voilà les étangs de Bassiès, et ça pourrait être la photo de demain matin au lever de soleil, puisqu'en fait ça va être le principe de repartir de l'autre côté de la crête pour redescendre à ma voiture, et ça permettrait voilà de faire par la même occasion logiquement un beau lever de soleil. La différence c'est qu'en fait c'est un petit chemin qui monte vraiment comme ça, 300 mètres de dénivelé positif, mais sur un mur en plus, a priori c'est un nid à vipère, donc pas mettre les mains n'importe où, voire ne pas mettre les mains au sol ou sur les rochers pour grimper, ce qui va être difficile vu la pente, mais ça va être le challenge de demain dans le noir, puisque je vais faire certainement une ascension nocturne pour arriver vraiment à mon point de vue au lever de soleil. Je vous montre les quelques photos que j'ai pu faire ce matin, ensuite on va continuer la journée avec un petit peu de repérage et potentiellement un petit peu de technique photo. Je sais déjà qu'il y a une petite cascade par là-bas, et là ça pourrait être très intéressant de faire un petit peu une principe de pause longue. Ça va peut-être être un vlog un petit peu long en termes de temps, mais j'espère que la rythmique va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, et même à soutenir mon travail en vous abonnant à cette chaîne si c'est pas déjà fait, avec la petite cloche en plus pour être informé de mes futurs vlogs, tout simplement. Allez, direction le refuge, le petit déj, c'est séchage, et puis ensuite on continue cette aventure. Thank you.
Alors là, une fois de plus, ce que j'aime, c'est vraiment le côté minéral. Minéral, donc assez abrupt, anguleux, même si elle a été bien arrondie par, je pense, la force de l'eau au fil des siècles. Mais grosso modo, on a une zone très intéressante. Au passage, vous noterez logiquement la qualité du son. C'est vraiment le petit micro qu'on m'a prêté pour cet été. Et je pense que ça va faire des miracles. Je vous invite tout simplement à aller sur ma page Tipeee pour soutenir mon travail et me permettre voilà, d'améliorer la qualité de mes vidéos pour un petit peu plus, à chaque fois, transmettre mon savoir-faire, vous donner des astuces techniques, des astuces sur la prise de vue, mais aussi sur les randonnées en soi. Je vais m'orienter sur cette zone-là, essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant. On va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, ouais, je m'installe, je vous montre un petit peu mon setup. Et ensuite, on va regarder le résultat que j'ai obtenu. Alors ça semble vouloir se lever. Et je dirais que ça pourrait être une très bonne chose parce que ça nous permettrait d'avoir un tout autre regard sur l'environnement. Voilà, là je vais remonter tout simplement ce torrent, ce qui donne des bassins, des beaux bassins, des petites cascades. Il y en a une, voilà, à suivre juste là-bas. Voilà, et tout ça, ça va me permettre de jouer sur le côté rocailleux et filet d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et peut-être que si vraiment à un moment donné, les cimes se dégagent, et eh bien on va basculer vers un autre type de sujet. Plus jouer sur les perspectives, plus jouer sur des gros panoramas, on va voir. En tout cas voilà, c'est un vlog, je sais pas à quoi il va ressembler à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous chamboule un petit peu les choses, ou alors si c'est quelque chose que vous appréciez. Bon alors en fait, a priori, c'est tout ou rien, parce que là, clairement, maintenant, le ciel est quasiment complètement bleu, le soleil commence à taper. Après, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, je dois dire, mais il ne va pas être loin de midi, donc j'ai mon casse-croûte, je vais peut-être me faire mon casse-croûte. Je suis excessivement intéressé par, hop, je vous montre, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir derrière moi, on a petite cascade, encore petite cascade, ensuite on a une espèce de montée avec de l'herbe, et derrière, on a une espèce de faille dans la montagne. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il n'y a pas une cascade qui court au fond de cette faille. Voilà, ça, c'est les fantasmes de l'explorateur que je suis. Malgré tout, en termes de lumière, là, tout va devenir très plat. On va être en pleine journée, ça va être un petit peu difficile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement basculer sur tout simplement du repérage de base. Je vais aussi en profiter pour faire sécher mes chaussures qui sont mouillées depuis hier. Et puis grignoter un petit peu, et potentiellement, j'avais déjà entrevu hier en arrivant au refuge à un endroit pour faire le coucher de soleil. Je pense que je vais encore m'attarder une nuit ici avant de repartir, et je pense que ça va donner une perspective sur les lacs qui pourra être intéressante, mais l'idée c'est d'avoir les perspectives des lacs, en sachant que normalement il y a une perspective sur trois lacs, mais le troisième, le plus bas, ils l'ont asséché parce qu'ils sont en train de travailler sur le petit barrage. Donc la fête d'avoir juste deux lacs en perspective sera beaucoup mieux sur la photo, sinon soit on aurait un lac vide, alors même si potentiellement une retouche est envisageable, je préfère m'éviter ce genre de travail. En tout cas là, je vais voir ce que ça donne un petit peu plus haut. Ensuite, je vais redescendre au refuge, je vais attendre le coucher de soleil en espérant et en croisant vraiment les doigts que ça donne quelque chose d'assez sympathique avec des différentes profondeurs. Et là, ça serait la petite cerise sur le gâteau. Voilà, moi je continue, on passe en mode exploration. Et logiquement, je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour un petit peu le coucher de soleil. Thank you.
Eh bien, voilà le petit lever de soleil sur les lacs de Bassiès. Et c'était plutôt super agréable. Comme quoi, un petit peu de persévérance, ça paye toujours. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais réemprunter le chemin que j'ai utilisé dans la brume la dernière fois. Je vais peut-être donc découvrir de nouveaux sujets à photographier. Si c'est le cas, je vais vous montrer les photos dans quelques instants. En tout cas, une fois de plus, si vous voulez soutenir mon travail, un abonnement, un petit clic sur la cloche, un petit clic sur le pouce qui pointe vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et pour ceux qui veulent encore plus me soutenir, direction ma page Tipeee pour tout simplement faire un don et de toute façon aussi avoir des contreparties en conséquence, notamment certaines qui peuvent être très intéressantes si vous voulez progresser en photographie. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, je vous laisse potentiellement sur des dernières images et puis d'ici mon prochain vlog, vivez de merveilleuses aventures et faites de magnifiques photos. Allez, à très bientôt, bye bye.